Et salut à tous et bienvenue pour la suite de The Order 1886. Mon premier playthrough sur PlayStation 4. On continue, parce que j'ai pas quand même fait tout le jeu en une journée. On va continuer The Order 1886. C'est parti. Preux chevalier. On dirait que j'arrive juste à temps. On dirait, oui. Il n'est pas dans mes habitudes de laisser un garde avoir le dessus. Vrai, ça. Vous êtes venu seul. Davy et Finlay sont ici. Ils se chargent des autres gardes. Et vous? Je ne voulais pas impliquer les autres, mais l'un d'eux est avec moi. Peut-on lui faire confiance? Oui, absolument. Très bien. Et maintenant? Rejoignons-le et allons vers la salle des archives. Ok, on prend juste un petit peu avant. C'est pas trop grave. Je sais juste qu'il y avait un mec là. Ouais. Pas mal l'arbalète, hein. C'est dommage qu'on l'utilise seulement maintenant. Comme vous pouvez le voir, on a dû faire face à la résistance. Comme je peux le voir, il n'y a personne. J'ai... personne de par terre. Ils sont là-bas. Ah oui, une personne là. Rani, nous avons trouvé une entrée. Une fois en place, on utilisera la diligence pour accéder au balcon. Chevalier, aidez-nous à la mettre en place. Chevalier de la table ronde. C'est vrai, ça. Mais vrai de vrai. C'est bon, allons-y. Là-haut. Davy, non. Il faut que tu restes. Rani, je dois rester à vos côtés. Tu y seras toujours. Et lui et son complice. Fais-moi confiance. Ignores-tu à quel point tu comptes pour moi? Alors pourquoi me rejetez-vous? J'ai besoin que tu continues notre combat s'il m'arrivait quelque chose. Ne dites pas ça. Davy, vous vous méfiez de moi, mais je vous promets de protéger votre reine. Je vous dois bien cela. Vous avez intérêt. Je vous déconseille fortement de la décevoir. C'est vrai, ça. Sinon, Ouais. On prend pas d'armes déjà, mais non, hein. Hakube ! Que... Et que... Quoi, y'a des gens ? Eh ouais. Bonsoir. Wow, on se calme. Voilà. Il faut que je recharge. Wow. Wouah, il me tire dessus. Discrétion x5. Hein. Wouah. Ah mais... Ah ok, c'est pour cracher l'objectif. Ah
Voilà. Entrons avant que d'autres gardes n'arrivent. Par ici. Oh, elle est où ta copine? Attention! Et on... Des tireurs, juste là! Tireurs neutralisés! Chef, il y en a d'autres qui arrivent par l'arrière. Et de 1... Ok. Cible à terre. Ok. Comme à terre. Je recharge. Ça, c'est fait. Allez, on se remet. Oh, attends, putain. Nickel. Ah bien, c'était le dernier. D'autres vont arriver d'un instant à l'autre. Il faut avancer. Allons-y. On move. Ok. Ok. Ah, d'abord celui-là. Voilà. Bonsoir. Ah voilà, une vraie arme. Ok, un machin. Ok, Chevalier, qu'est-ce que vous attendez? Un des chevaliers de la table ronde. Lucan, ne tire pas! C'est Lakshmi Bai, le chef des rebelles. C'est donc ta complice? As-tu complètement perdu la tête? Je pourrais poser la même question. Si je me fie aux apparences, je penserais que tu m'as tendu un piège. Ou que vous avez l'intention de m'arrêter. Pas le temps de nous chamailler. Elle était là alors que nous avions bien besoin d'aide. C'est de la folie. Tu mets l'existence de l'ordre en danger. Alastair, tu dois me faire confiance. Tu as exigé de nous des preuves. Elle était avec moi à Black Hole. Elle a vu ce que j'ai découvert. Autrement dit, elle t'a aidé à détruire les quais de la United India Company. Mon père avait raison. C'est bien un acte terroriste. Elle t'a utilisé. Elle m'a ouvert les yeux sur cette conspiration. Et si nous voulons réussir, son aide sera cruciale. Et si jamais tu te trompes? Alors elle et moi répondrons de nos actes. Et subirons les conséquences. Tout comme Mallory. Tout à fait. Tout à fait. J'espère que t'as raison, Gray. Je n'aimerais pas te voir faire les frais de cette histoire. Moi non plus, mon frère. Mon frère. Mais c'est mon frère. Les voilà. Tout au fond du hall. Ok. Une fumigène. Fumigène. Recharge. Attention, grenade. Non, 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 non.
On avance en silence. C'est bon. Bon. Par contre, j'aime bien ton flingue qui était par terre. Si je le retrouve, ça serait bien. Voilà, il est là. On y va. Par ici, de l'autre côté du balcon. Et terre. Je regarde des trucs. Des trucs à regarder. Bref, y'a rien. On y va. Come on, let's go. Wow, c'est quoi ça? Dans la cour. Son. Boing. De violence. C'est fait. Il y en a d'autres qui arrivent du sol. Un fusil à service. What a boing. Pardon, je t'avais pas vu. C'était le dernier. Ouais, parce que je vais reprendre mon arme. C'est vrai, ça. 1, 2, 3. Prêt? Non. La salle des archives est droit devant. Il y a plein de machins et de bidules à regarder. Non, Didou. Ok. Y'a rien d'intéressant. On peut continuer. Come on. Fouillez les archives. Cherchez manifeste, connaissement, réquisitionnement. Tout ce qui peut lier la compagnie aux cargaisons d'hybrides. À croire que l'ordre, y'a que deux personnes dans l'ordre. Censé chercher dans tout ça. Tu calmes, Vinny. Contente-toi de monter la garde. Il est trop bien fait. Wow, on avance beaucoup trop vite. Bonsoir. C'est une perte de temps, je vous le dis. On perd de temps. Chevalier, venez voir. Chevalier,
Vous devriez voir ça. Nom des dieux. Ces cargaisons ont été envoyées dans mon pays. Nom des dieux, nom des dieux. La compagnie a étendu son emprise à l'ensemble des Indes. Là, la charge de l'Agamemnon, envoyée vers la côte est des Amériques. Voici trois autres prévues pour le même trajet. RMS Océanique est le suivant. Il lève les voiles dans 6 semaines. Où est Finlay? Ne dit-je. Ah, ça va. Tu sais, les suçons, ouais, mais non. Oh, on a vu un pénis. Là, vous me croyez? C'est lui qui tire toutes les ficelles. Les morts de Whitechapel. Le fléau des hybrides. United India. C'était vous. Jacob Van Neck. Ou, comme les journaleux de Fleet Street m'ont si aimablement surnommé, Jack l'Éventreur. À votre service. Et merci, Messire Lucan, de m'avoir amené ces fouineurs. Chargez-vous-en. Ne nous décevez pas. Toi. Sacré hasard, vous ne trouvez pas, Messire Galahad? Le chef rebelle capturé? Un traître démasqué? D'une pierre deux coups. Et le traître, c'est vous, malheureusement. Alastair. Mais pourquoi? Pardonne-moi, mon frère. La sauvegarde de mes semblables passe avant. Semblables? Vite! Kacha! Tant de violence! Quack! Toi crou que tu pouvais m'avoir, mais ça c'était avant ça. Maintenant je vais tout négrer, te faire un petit manteau avec tes restes. Tu peux appeler tes petits copains Lucan, mais... Il est derrière moi. I'm sorry. T'es vu. Ah bah moi j'avais arrivé. Wait. Je tue ton copain et après je me cherche toi. Et de 1. Oui. Fais pas un petit troisième pour la route? Au point où on en est. Et voilà. Allez, Lucan.
t'avoir. Oh, commencez pas à me faire chier, vous, hein. Chevalier, ici le commandement. La présence de plusieurs intrus dans la United Indian House est confirmée. La police de Londres a reçu l'ordre de rester sur le pied de guerre. Nous avons prêté serment. Au nom de la loi, ouvrez cette porte. Oh là là là. Galahad, pas un pas de plus. Attends, je peux expliquer. J'ai dit pas un pas. Vous arrivez juste à temps. Nous avons eu vent de perturbations. Oui, Galahad s'est introduit ici avec ses infâmes rebelles, avec l'intention de me tuer. C'est un mensonge. Là, voyez-vous même le résultat de leur attaque. La complice de Galahad était une femme. Le chef de la rébellion, en fait. Elle a pu nous échapper. Pas pour longtemps. Ordonnez le retrait aux gardes de la compagnie, Lord Hastings. Les chevaliers se chargeront d'appréhender ce chef rebelle. Izzy, écoute-moi. Tu fais une grave erreur. Perceval. Rue en état d'arrestation. Oh là là là. Je suis vraiment navré que cette tâche te revienne, Marquis. Pas autant que moi, monsieur. Fais-le sortir d'ici immédiatement. Je vous remercie, Dame Ygraine. Votre intervention ne pouvait pas mieux tomber. Nous ne faisons que remplir notre devoir, Lord Hastings. Mais j'insiste, madame, je vous conseille néanmoins de garder un œil sur ce traître. Vous serez certainement convoqué devant la cour. Il faudra que vous témoigniez. Je suis à jamais prêt à servir les chevaliers de Sa Majesté. De la table ronde. Un traître parmi nous. En tout cas, je vais arrêter là comme ça, on commencera ce chapitre, même si on est quoi, peut-être 7 minutes à l'avance, mais c'est pas grave. N'oubliez pas de liker, de vous abonner ou de partager la vidéo si vous avez vraiment aimé. C'était le Bug Flash, une campagne de jeux vidéo. Salut à tous.